شكرا على التذكير انه كاين واحد المسطره قضائيه في المغرب وفي الخارج طبعا، ولكن لازم نذكر بعض التواريخ اللي هما مهمين في تاريخ ديال لاسامير. فالمحكمة التجارية ديال الدار البيضاء أصدرت بواحد الحكم في 21 مارس 2016 بالتصفية القضائية لشركة لاسامير مع استمرار نشاط الشركة تحت إشراف السنديك وقاضي منتدب. والحكم اللي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1 يونيو 2016 بتاريخ 30 يناير 2017 أصدر السيد القاضي المنتدب أمرا قضائيا بتفويت أصول الشركة بما فيها الوحدات الإنتاجية مع إذن السنديك بتلقي عروض الاقتناء وفق الشروط التي حددتها المحكمة. وبتاريخ 14 مارس 2018 تقدمت مجموعة كورال المستثمر باعتبارها المساهم الرئيسي في شركة سامير بطلب أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن المعروف اختصارا بسيغدي في مواجهة الحكومة المغربية من أجل تعويضها على الأضرار التي لحقتها نتيجة توقف نشاط شركة سامير. تم تشكيل الهيئة التحكيمية التي ستتولى الفصل في النزاع ويتولى حاليا مكتب المحاماة المعين من طرف الحكومة المغربية بالدفاع عن مصالح المملكة في لو تريبونال سيردي. فبخصوص قضية مصفات لاسامير تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كتعمل على تفعيل ما تراه مناسبا مع مراعاة جوج الحوايج: أولا مصالح العاملين والعاملات في شركة لاسامير تقريبا 600 في أول مارس 2022 كانوا 600 ديال العاملين والعاملات في لاسامير، مصالح الدولة المغربية ومصالح الإيكوسيستم اللي كان دار في لاسامير مدينة المحمدية. ففي ضوء كاع الأحكام اللي صادرة في شأن هذا الملف وحنا كنشتغلوا على هذا الملف. باركونت دابا غادي نكمل لكم واقيلا بالفرنسيه لان كانت اون اوتر كيسيون بالفرنسي على سو نيفو. لا ريفليكسيون نو سوم ان تران دو لا مني او نيفو تكنيك او نيفو ايكونوميك بيان سور مالغري لي دو دوسيي كي سون دوفون لي تريبونو ماروكان اي انترناسيونال. Je ne veux pas donner de chiffres sur la valorisation de l'actif industriel, le niveau de maintenance qu'on a besoin d'injecter, etc., etc. Je veux juste vous rappeler que Nhal Larbaf le Barlamen, un des auteurs du rapport, s'est dissocié du rapport. Bon, il faut poser la question aux auteurs de certains rapports. Donc, tout ça pour dire que ce ministère, dans le cas de ce gouvernement, prend en compte tous les aspects liés à cet actif industriel et au capital humain qui est lié à cet actif industriel. Voilà, notre travail, c'est de, un, préserver le capital humain, direct et indirect, préserver le capital industriel, en tenant compte de plusieurs éléments, y compris le développement du secteur du raffinage au niveau mondial. Les raffineries aujourd'hui, qui n'ont pas des marges, bon, qui n'ont pas des marges négatives, mais des marges assez maigres, je peux vous le dire, elles font du 400 000 barils jour. Ce sont des raffinages aujourd'hui très compétitifs, complexes, intégrés à la pétrochimie. Les investissements du raffinage en 2022, je ne parle pas de 2016, je parle de 2022. Donc, considérant dans nos discussions avec les différentes parties prenantes, ce qu'on regarde, c'est la réflexion technique, bien évidemment, la réflexion
financière, la réflexion économique. Et c'est ce qui a fait, donc je le redis en français parce que il est très important de tenir compte de tous ces aspects-là, même quand on regarde l'impact sur les prix des hydrocarbures en interne. Et ceci m'amène à un autre sujet qui est très important pour les prochaines années, pour cette année et les prochaines années dans ce pays. Comment on traite un investissement qui s'est mal passé dans le secteur du raffinage, peut-être de l'électricité, du gaz, etc. Dans ce ministère, et le secrétaire général est assis aujourd'hui, nous avons presque 10% de notre masse salariale qui part à la retraite dans 2 ans. Et peut-être même plus. C'est le cas dans le secteur énergétique marocain et mondial. Il y a un appauvrissement et il y a un énorme gap entre au niveau managérial. Donc toutes ces perspectives de le fait qu'on ait besoin de prospectives, de veilles, de réflexions stratégiques sur des investissements qui ont marché et d'autres qui n'ont pas marché, tout le secteur, y compris certains influenceurs sur les médias sociaux, c'est très important de comprendre qu'on ne vend pas, on n'achète pas, on ne relance pas, on ne réfléchit pas de manière globale sur une région comme le Mohammedia sur Twitter. Il nous faut discuter. Habtoum anal le technique, habtoum anal les chiffres, habtoum anal les marges, et là on peut discuter. Donc, ce ministère est en train, bien évidemment, avec le reste du gouvernement, de réfléchir aux différentes solutions. Bien sûr, il y a, et je suis très contente de votre question, il y a en effet un dossier devant le tribunal international du CIRDI qui, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, je ne peux pas aujourd'hui vous donner des chiffres sur les marges, la maintenance. Il y a des solutions. Nous sommes en train de réfléchir à des solutions, en effet. Nous ne sommes pas en train d'attendre la fin de ce que va décréter le tribunal international au CIRDI. Nous réfléchissons, mais ce sont des solutions, encore une fois, je suis désolée de vous décevoir, techniques, économiques, financières. Il va falloir parler avec moi. Ah ben, il faut demander à l'avocat qui suit le dossier. Hein, ils sont en train d'écouter les témoignages des uns et des autres, mais il faut demander à l'avocat qui défend les intérêts du Royaume du Maroc. Donc, mais j'insiste sur cette dernière partie de ressources humaines. Et c'est pour ça que je pense que c'est une excellente idée de faire des assises de l'énergie, c'est une excellente idée de faire de la formation. C'est une excellente idée d'amener, parce que le métier de la prospective, le métier de la stratégie, le métier de la réflexion sur ces dossiers stratégiques est en train de se perdre. Pas uniquement au Maroc, comme partout ailleurs. Le monde entier, dans les secteurs de l'énergie, des mines et de l'environnement, est en train, oui, les gens partent à la retraite, et la pyramide d'âge n'est pas en notre faveur. Je n'ai pas donné de coup. Est-ce que j'ai donné un coup? Je n'ai pas donné de coup. Vous avez évoqué des réflexions menées actuellement sur le plan technique, économique, financier qui sous-entendent que le dossier Telmombo... Non, je vous ai dit qu'il y avait quelques solutions, plusieurs... Non, je ne peux pas expliciter. Il y a plusieurs solutions qui sont sur la table. Y compris la Samir. Oui, je parle de la Samir. Mais c'est dans le cadre d'une réflexion globale de l'utilisation de l'actif industriel. Je ne vais pas vous donner le détail de ce qu'il y a comme pipeline et cuve, etc. Mais il y a un actif industriel qui est là, dans une ville qui s'appelle Mohammedia, qui a un port à côté. Ce sont des actifs qu'on aimerait bien, monétiser, en effet. Donc, on est en train de faire ce travail. Et je ne veux pas donner quelque impression de la solution finale sur laquelle on va plancher.